PEGI 18. Mais d'après certains rapports de l'époque, des planques ont été attaquées par des escouades armées. Selon d'autres rapports, des personnes et même des équipes entières ont simplement disparu, comme si de rien n'était. Un soldat isolé, même surentraîné, est tout bonnement incapable de... Stop. Sénateur, on dirait que vous avez rien écouté de ce que j'ai dit. Lincoln a été malin, à chaque fois. J'ai besoin que tu réfléchisses et que tu trouves. Si la meilleure approche était la discrétion pour nettoyer une zone, il n'y avait pas meilleur que lui pour éliminer tout le monde par l'infiltration. Il pouvait même en épargner un ou deux pour l'interroger un peu plus tard. Je sais pas du tout. Je vais vous dire, sénateur. Quel que soit le calibre que vous avez, il vaut plus rien si on vous le prend des mains sans que vous vous en rendiez compte. Si le mieux à faire était de distribuer des droits d'homme, montrer l'exemple avec quelques gars, alors il n'y avait pas meilleur démonstrateur que Lincoln. Où que vous vous trouviez, c'était toujours mieux que sur la trajectoire de ce point. Vous pouviez me frapper de toutes vos forces, rien ne l'empêchait d'avancer. Ce ne sont pas vos muscles qui vous rendent impitoyable. C'est votre volonté de frapper, de bouffer et étouffer. C'est être prêt à faire ce que personne d'autre ne ferait. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés. Il n'y a aucune échappatoire. Vous êtes seul. Il y avait la moindre ouverture pour vous éliminer stratégiquement. Tous les gardes du corps du monde ne pouvaient pas empêcher Lincoln d'attendre, d'étudier vos faiblesses et de trouver l'angle d'approche idéal. Dans les situations moins subtiles, il n'hésitait pas à faire cracher ses codes. Messieurs, vous n'avez jamais été témoin d'un tel cas. Un ange de la mort sur terre. Vous dire de ses ennemis, Lincoln Clay était leur pire cauchemar. Il avait 100 façons différentes d'atteindre San Marciano et ses hommes. On est d'accord sur un point, quelles que soient les circonstances, ce qui compte dans un combat, c'est son issue. Et celui qui reste debout à la fin. I'm feeling too bad. I'm feeling